Allez, allez. C'est rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire ça finit. Voilà, maintenant tu rappuies encore une fois. Rien n'est préparé, la prochaine édition. Paul, bonjour, Paul Wex, à mes côtés. Comment ça se passe? Ça y est, tout le monde est parti? Écoutez, nous avons démarré à l'heure précise 10h15, comme c'était prévu. Comme les 56 tracteurs sont prêts, il n'y en a aucun qui a fauté. Il y a eu quelques ratés au départ, mais ça a bien fonctionné par la suite. Donc le défilé a démarré, pour le moment tout se présente bien, la météo est avec nous. Le public est hyper nombreux, alors ça, ça fait plaisir malgré le temps. Et j'espère que la journée sera agréable pour les touristes, les causeranais et tout le monde. Voilà, merci. Allez, merci à vous et bravo. On vous retrouve sur un point sonore, un peu plus loin, en présentation, en principe. Normalement, j'anime devant le café PMU. Et je crois qu'il y a un petit problème de sonore. Bon, vous savez, Paul, hein, il y a un micro ici. On peut faire le travail à tous les deux. Vous le ferez mieux que moi. Parce que vous êtes là depuis 20 ans et vous connaissez parfaitement la manifestation et surtout les tracteurs qui arrivent là. Oui, bien sûr. Alors le premier, je vous le commente, c'est un percheron qui a été acheté cette année, presque pour le défilé. C'est une pièce magnifique et nous avons préféré, le propriétaire a mis un peu d'argent et il a préféré l'acheter que le laisser partir pour la Suisse. Voilà, ça c'est la conservation du patrimoine. Voilà, ils sont nombreux les passionnés comme ça. Merci Paul, peut-être à tout à l'heure. Donc on va laisser passer hein, les premiers éléments pour 56 tracteurs, on vous l'a dit au départ. Et donc, eh bien, vous allez voir tout ce matériel défiler, le percheron, les massés. Et les vélos de plein de soupage. Bien sûr, arrêtez de me faire tourner un bruit que tous les deux. Ça va mal finir ces histoires là. Moi je vais voir les filles, je vais être plus sympathique tout le temps. Pourquoi vous n'avez pas le micro? Vous n'avez pas parlé au micro? Bon, les vélos appartiennent à qui? Ça va vous régaler. Vous régalez. Bon, alors c'est parti. Et je préfère les rames de filière. Alors, quelques particularités, quelques vélos un peu spécifiques avant de vous laisser. Le 1950, ici, et le 1950. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, je vais continuer. Voilà, pour faire quelques photos avec tous ces vélos avant de retrouver le père de Saint-Jérôme. Merci, viens là. Avec sa deux chevaux. Ah, tant mieux. On va rappeler des souvenirs à certains. Ciao. Et où est Lynn? Lynn, elle n'est pas là. Vous l'avez laissé cet après-midi. Allez, pardon. Circulez.